Alors, bonsoir tout le monde. Louisanne en live avec vous. Un autre beau rendez-vous afin de faire un chemin à l'intérieur de soi pour être ensuite capable de faire un chemin le plus grand et le plus puissant dans notre manifestation de la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je vais attendre un peu que les gens se connectent avec nous. On va voir, tout semble bien aller. Je vois qu'il y a 7 personnes. Alors, venez m'écrire dans les commentaires si vous êtes là. Venez partager et moi, je vais aller voir comment ça marche. Je devrais être en live aussi sur YouTube pour la première fois. Alors, Karine Monette, allô, coucou toi-même. Aloha, Joanne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir de la chute, Cora. Manon Lana de la France, il est tard. Bienvenue, Lana. Lynn Diane. Alors, ouais, ça rentre, là. Muriel, Isabelle, Ivan, Sandra. Alors, bonsoir tout le monde. Mon Dieu, on est déjà 74. Alors, ça rentre rapidement. Très heureuse de vous retrouver pour un autre live, un autre petit bout de soirée ensemble. Ce soir, on va venir jaser ensemble. J'ai des questions pour vous. J'ai des partages importants pour vous. Je vais juste quand même attendre un petit peu que les gens soient arrivés. Je crois que je sais pas ça fait combien de minutes que je suis en live. Je me vois pas dans le temps. Oh, ça fait 1 minute, donc c'est pas si long, hein? Donc, on va attendre encore un petit peu. Alors, je vais voir qui arrive. Bon, Ginette, Suzanne, Jocelyne, Hélène. Allô, allô, Pierrette, Dani qui est là, Nathalie Lambert. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour un autre live en cette période qui nous demande de se rassembler. En cette période qui nous demande de s'épauler, de se soutenir et d'être là les uns pour les autres. C'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de venir en live ce soir, parce que avec ce qui s'est passé du moins au Québec ici cette semaine, j'ai senti, j'ai reçu quand même beaucoup de messages me demandant comment moi je sentais ça, qu'est-ce qui se passait présentement. Donc, on va venir en parler un petit peu ce soir. Donc, bon, Patrice est là. Bonsoir, Patrice, Denise, Nathalie, Marlène, Emmanuel Gaudreau et Guylaine Beaulieu aussi qui est là. Chantal, hey, je ne sais pas si Yves est pas loin, mais Chantal est là. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Il me semble que ça va faire du grand bien encore ce soir. Je l'espère, je l'espère. Bonsoir à tout le monde et bienvenue de vous joindre à nous pour ces partages de groupe. J'ai réalisé depuis toutes les années où je fais des lives à quel point ces partages de groupe sont importants. Je dirais que sont importants pour moi, sont importants pour vous. C'est important de se relier ensemble. Nous sommes, je le dis souvent, toutes les gouttes d'un même océan. Et ben là, c'est encore plus le temps de le réaliser et de le jouer. Que cette fréquence-là que nous sommes, unifiée tout en ayant parfois l'illusion d'être seul, que cette fréquence-là soit de plus en plus éveillée, je crois que c'est d'une grande importance avec ce qui se passe présentement. Donc, waouh, ça continue de se connecter allègrement. Donc, je vous dis un beau bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Et là, je vois tous les commentaires de Facebook. Je crois que je pourrais peut-être aller voir ce qui se passe sur YouTube, mais étant donné que c'est notre première expérience en double live, je vais me contenter de jaser pour l'instant avec les gens de Facebook. Et après ça, ben j'irai explorer ça. Alors moi, j'explore les affaires de technologie une étape à la fois, tip-toe, pointe des pieds. Alors, c'est déjà très bien comme ça. Alors, voilà. Dans un premier temps, je voudrais en entrée en matière vous faire un grand élan de gratitude.
Et de merci, merci, merci de votre confiance, merci de venir jouer avec moi, venir jouer avec moi dans les lives, venir jouer avec moi dans mes formations, dans mes accompagnements. Et pour moi, c'est beaucoup de vagues de grande reconnaissance que je reçois de vous et d'amour. Et je voulais vous dire merci et vous le retourner. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour et plein de reconnaissance et plein de « je vous vois ». Je vous vois dans vos élans de grandir, dans vos élans de comprendre, dans vos élans de créer et de manifester la meilleure des vies possibles avec tout ce qui se passe présentement. Mon cours d'intro à la kiné est sold out depuis presque, je dirais, 5 jours. Grande gratitude à ça. Je vais pouvoir accompagner plus de 150 personnes à connecter avec cet outil extraordinaire que j'enseigne depuis 20 ans, qui est la kinésiologie holistique. Donc, yeah, grande gratitude. Quand j'ai commencé ce voyage-là de la kiné, je pensais pas que 20 ans plus tard, je serais encore Madame Kiné, mais je suis toujours, toujours Madame Kiné. J'en profite pour vous dire et vous réinviter à venir vous inscrire à mon infolettre. Je mettrai le lien après mon live, louisanne.com, sur la première page, et je vous dis pourquoi je vous y invite. Je vous y invite parce que j'ai vraiment un élan très fort qui monte une semaine après l'autre de créer une communauté privée hors ces médias de grands groupes, une communauté privée où nous pourrons venir nous rejoindre afin d'échanger, de partager ensemble d'une autre façon. C'est pour moi, je ne sais pas, c'est fort, ça monte et je vous réinvite encore une fois ce soir à venir vous inscrire à mon infolettre sur louisanne.com afin de recevoir mes informations, mais surtout afin que je puisse vous contacter quand je vais partir cette communauté privée. Donc, c'est quand même un grand privilège qu'on puisse le faire comme ça, donc quand même, eureka. Ce soir, je vous arrive pas tout à fait, je vous dirais, à la même place que où je suis d'habitude. J'ai toutes sortes de couleurs à ma personnalité. Et les gens qui me connaissent bien savent que malgré ma douceur, malgré ma compréhension, malgré ma bienveillance, malgré ma capacité de voir au-delà des choses et de me tenir dans un point zéro, en tout cas autant que possible, de me tenir dans ce point zéro-là autant que possible, j'ai une facette de ma personnalité qui est très proche du feu. J'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi et ce feu, quand il s'éveille, wow, ça fait des grandes, grandes vagues à l'intérieur de moi. Et je dois vraiment vous avouer, parce que je crois que dans les échanges que nous avons, une chose qui est très, très, très importante est la transparence. Pour moi, être transparent, ça fait partie de mon être. Je suis une grande fervente et fan de la vérité et de la transparence. Alors ce soir, je viens vers vous en vous disant que j'arrive pas de la même place. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est éveillé depuis 3 jours et ce qui s'est éveillé à l'intérieur de moi depuis 3 jours est une très grande colère. Très grande colère. Alors peut-être que pour certains, ça vous surprend. Mais les gens qui me connaissent savent que, pas que je suis colérique, loin de là, je ne suis pas colérique, mais que je peux être très déterminée et connectée à quelque chose qui m'amène dans un état qui fait « ceci ne passe plus ». Et cette semaine, j'ai contacté ce « ceci ne passe plus » par rapport à et ce qu'on vit. Et j'ai une très, très grande colère qui s'est éveillée en moi. Je suis un petit peu plus calme que je l'étais il y a 2 jours. C'est un feu qui monte et qui, vraiment, qui est très, très, très fort. Et je viens voir avec vous, est-ce que vous sentez la même chose? Comment vous sentez-vous dans ce qui se passe? Comment vous réagissez? Et qu'est-ce que ça éveille en vous? Je me suis dit qu'en venant vous partager,
comment ça se vivait à l'intérieur de moi, ben je vous donnais aussi l'opportunité de vous nommer à travers ça. Dans les mouvements spirituels, je suis pas trop mouvement spirituel, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont quand même une belle démarche spirituelle. Je suis pas associée à aucun mouvement précis, à aucune dénomination précise, loin de là. Je suis une femme qui est plus connectée à son essence et à sa vérité. Et ça, pour moi, c'est la plus grande spiritualité, c'est notre essence et notre vérité. Et je sais que la colère n'est pas nécessairement quelque chose qu'on s'autorise ou qu'on trouve que c'est beau. Ou beaucoup les adeptes de la pensée positive vont venir dire « Ouais, mais c'est pas cool la colère ». Moi, je trouve que la colère, c'est très cool. La colère, c'est un propulseur. Et ça va dépendre. Est-ce que c'est une colère qui est dirigée contre quelqu'un? Non, jamais, ça donne rien. Une colère saine, je vous dirais presque une colère sainte. Hein? Puis on sort quand même des contextes religieux, mais une sainte colère. Hein? Vous comprenez l'expression une sainte colère? Une sainte colère qui dit... D'accord, la limite a été dépassée. Donc, j'arrive avec vous dans cet état-là et je vais venir explorer ça avec vous ce soir et voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Attends, il y a Pascal qui me dit « Je suis tellement paisible avec tout ce que m'y tombe dessus depuis quelques mois. » Bon, bravo, je suis vraiment contente pour toi. Oui, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui parlent de colère. Donc, on va apprendre ce soir ou on va plutôt conscientiser ce soir que notre sainte colère ou notre colère ou ma colère ou votre colère ou la moyenne colère peut être canalisée et peut servir de grand propulseur électromagnétique pour manifester quelque chose d'autre dans notre vie. Et là, oui, transformer colère en sainte colère, oui, exactement. Donc, c'est de ça que je vais venir vous parler. Je vous dirais que ce que je vis présentement, c'est un feu très, très, très puissant qui s'est élevé en moi d'une profonde détermination dans ce que je veux manifester de ce qui passe et de ce qui passe pas. Et ça, ben, ça monte très, très fort. Je sens depuis que je suis petite les choses d'instinct. Mon instinct est très fort et mon corps va faire, avant même que ma tête ait le temps de réfléchir, et ce qui se passe et que nous vivons depuis un bout, m'a fait réagir d'instinct très, très, très fort au tout début. Je me suis calmée et là, ça vient de remonter. Ouais, bon, Pauline, je t'entends, Céline, bon. Alors, voyez-vous comment c'est intéressant? Alors, allez, nommez-vous! Nommez-vous! Ce qu'on vit en ce moment me met vraiment en colère, même si, et c'est ça qui est très important, parce que vous savez que je suis une grande adepte du point zéro, ouais, le point zéro. Ce que nous vivons en ce moment est ce que c'est. Mais je sais profondément, dans le fond de mon être, que c'est un passage obligé. Je sais que c'est un passage nécessaire. Et là, ça fait la différence dans la canalisation de cette émotion-là qui est la colère. Quand on est en colère, face à quelque chose qui est inutile, c'est plus envahissant, je dirais. Présentement, on vit ce que je vous partage, un passage obligé. Mais dans le fond, ce qui me met en colère, c'est que dans ce monde de dualité tridimensionnelle, terrienne, que les passages soient si souffrants. Que les passages soient si confrontants, soient si fatigants, soient si épuisants, jusqu'à un certain point. Les grands passages qu'on vit, bien évidemment, c'est la naissance est un grand passage. Plein d'étapes de nos vies, passer de l'enfance à l'adolescence, c'est un grand passage. De l'adolescence à l'âge adulte, c'est un grand passage. Et ces passages-là, souvent, sont confrontants, ça nous brusque. Le plus grand est définitivement la naissance. Quand l'enfant passe dans le corps de sa mère pour sortir, c'est prouvé que c'est très souffrant
physiquement autant pour lui que pour elle. Et ça, ben, c'est des grands passages obligés. Et là, on est dans un grand passage obligé. Et je crois qu'une sainte colère peut nous propulser encore plus loin dans notre capacité de manifester ce qu'il y a besoin. Oui, Lana, c'est exactement ça. Nous vivons un accouchement. On est en train de passer d'un niveau à l'autre et c'est comme un grand accouchement. Ça fait longtemps que nous savons, nous, les terriens, que ce qui se vit sur notre belle planète depuis des millénaires n'est pas normal ni l'idéal. Nous sommes des êtres de partage, des êtres d'amour, des êtres de travail d'équipe. On n'est pas là pour s'opposer, se détruire, se nuire. Et c'est ça qu'on vit dans notre monde depuis des millénaires. On vit quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une guerre presque constante à tous les niveaux, que ça soit dans les familles, que ça soit dans la société, que ça soit entre les pays. Alors là, et dans l'invisible aussi, il y a de la guerre ou il y a de la confrontation. Donc voyez-vous, c'est ça qu'on est en train de se lever et de transcender. Alors on y va, on avance. On a besoin de sortir de tout ce qui est la corruption et de tout ce qui est le mensonge. C'est essentiel et nous y sommes. Nous y sommes dans ce passage que nous avons attendu, que nous avons espéré, que nous avons pressenti, que nous avons vu entre les lignes. On y est là, maintenant. On y est. Tchouk! Les contractions sont commencées, le passage, la tête du bébé est engagée. On est dedans et là, ben, ça va être à nous de s'accompagner pour sortir de ça. Dans le fond, depuis des millénaires, on était en train de se déconnecter lentement et sûrement de notre humanité. On était en train de se déconnecter de cette magnifique planète qui est notre mère, on peut dire comme ça, qui est celle qui nous accueille et elle aussi est en train de passer un passage obligé avec toutes les montées de la fréquence de Schumann, des amplitudes de Schumann, avec toutes ces montées-là. Elle aussi est dans un accouchement. Donc, nous sommes tous en train d'accoucher en même temps. Et je crois que peut-être que ce soir, on est dans la pleine lune. Et la pleine lune, on le sait que c'est le festival des accouchements dans les hôpitaux. Donc, on est là, là. On est à cette étape-là. Mon Dieu, que j'aimerais ça pouvoir toutes vous lire et continuer à parler, mais je ne peux pas. Alors, je vais continuer à parler et je vais tous aller vous lire dès que le live va être terminé. Mais je sens que nous sommes dans un récent qui est sur la même longueur d'onde. Oui, ben la colère, Guylaine qui me parle de tristesse, la colère peut être cachée derrière de la tristesse. J'ai parlé de ça dans mon accompagnement de Cœur conscient édition spéciale dans des petits groupes privés où on a parlé de l'incapacité que plusieurs avaient d'exprimer la colère comme étant un tabou interdit. Et à ce moment-là, quand c'est tabou interdit, je n'ai pas le droit de vivre ma colère, ben, à ce moment-là, ça se tournicote en immense tristesse. Donc, c'est très, 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 très connecté ensemble, si vous voulez, la colère et la tristesse. La meilleure façon que vous pouvez savoir si vous accueillez bien la colère, si vous êtes capable de vivre votre colère, c'est de voir si vous acceptez la colère des autres. C'est un bon signe. Alors, la bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que nous avons choisi cette expérience. Et elle n'est pas terminée. Nous sommes dans le passage. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je croirais que le temps que ça va prendre va dépendre, parce que je crois vraiment qu'on vit dans une réalité quantique, et je crois que le temps que ça va prendre, c'est le temps que ça va nous prendre à nous éveiller dans nos attitudes. Donc là, on va aller plus loin, voir comment tout ça se passe. Parce que nous, je, vous, avons un grand rôle à jouer dans comment sera la suite des choses. Est-ce que ça sera un accouchement en facilité, flouche, hein, comme certains peuples aborigènes où la femme part travailler le matin dans les champs, se met accroupie, accouche, râpe son bébé sur son corps, continue de travailler. Ça, on peut accoucher comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un épidural, une césarienne, les ventouses, tout ça là, c'est pas nécessaire. On peut choisir que ça se fasse en fluidité.
Je vous ai parlé la semaine dernière de la puissance de vos pensées. Je vous donne dans le fond, si je regarde ça comme il faut, je vous donne depuis des mois, si ce n'est des années, des outils afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même et surtout afin que vous puissiez devenir de grandioses et puissants créateurs. Vous l'êtes. Nous le sommes. Nous sommes de puissants créateurs, mais on s'en souvient pas. Personne ne nous l'a rappelé. Et là, moi, je vous le rappelle. Et je vous le rappelle assez fort. Je fais, vous savez, un cornet comme ça, là, que je mets dans ma bouche et que je colle dans votre oreille à chacun d'entre vous. Et je dis, OK, c'est assez. On se met à créer maintenant. Pou, pou, pou! C'est le temps de la trompette. Hein? Dans la carte du tarot, le jugement, qui est la carte 20, avant 21, qui est la carte du monde, donc qui est la renaissance, la carte 20 est la carte du jugement, avec les trompettes, tout, tout, tout. Les trompettes sonnent présentement, il est temps de les entendre. Alors, il est le temps de vraiment agir avec le plus de conscience possible à chaque minute de votre journée. Ce n'est pas le temps de dormir sur la switch, comme on dit. Ce n'est pas le temps de faire comme si on avait tout le temps, d'avoir le temps. Oui, on peut faire notre vie ordinaire. Oui, on peut faire tout ce qu'on aime, mais je vous demande et je vous rappelle et je vous invite à installer le plus de cohérence, le plus de vigilance et le plus d'alignement en vous tenant bien droit dans votre verticalité pour les mois qui s'en viennent. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres divins. Nous sommes les deux et nous devons agir sur les deux plans. Nous ne pouvons pas juste compter sur notre divinité pour que la matière change. Nous devons nous changer dans la matière pour que ça se propulse à un autre degré. Je vous dirais que je vous rappelle que nous vivons dans un monde d'infinies possibilités quantiques et je vous ai fait plein de lives où j'ai raconté des histoires qui montrent que à quel point l'opinion qu'on a sur quelque chose crée une réelle réalité. Donc là, c'est un appel à placer votre opinion ailleurs que dans l'opposition. Votre opinion ailleurs que dans la peur, votre opinion ailleurs que dans la victime, c'est le temps. Les cloches sonnent, c'est le temps. Oui, vous pouvez avoir des opinions, mais où vous vous êtes, j'en ai plein. S'il y en a une qui a des opinions, c'est moi. Je les gère, je les place au point zéro et je regarde où j'ai besoin d'aller, où je veux aller, ce que je veux créer, ce que je veux manifester en étant bien connecté dans mon ici et maintenant. Parce que ça, c'est la porte qu'on doit emprunter présentement. Elle part, elle parle de l'ici et maintenant. Donc là, ce qui est dans le passé, on le laisse dans le passé. Ce qui est dans le futur, on est en train de le créer. Et c'est dans cette porte de l'ici et maintenant que ça doit se faire. Michel Bisson, comment exprimer cette colère? Tu t'en vas dans le bois, tu cries, tu hurles dans le bois. Le professeur Tal Chalère, qui est un médecin, expliquait une technique pour exprimer notre colère quand on ne peut pas crier fort. Il disait, vous allez dans la salle de bain. Donc, vous êtes dans un party de famille et qu'il y a quelque chose qui vous pompe et qu'il y a de la colère dans l'air à l'intérieur de vous et que vous êtes pas bien. Alors, vous allez à la salle de toilette, vous fermez la porte, vous vous regardez dans le miroir puis vous faites... Alors, c'est comme ça qu'on exprime la colère quand on ne peut pas la sortir par la bouche. Et sinon, Michel, tu t'en vas me hurler ça dehors. J'ai déjà donné comme devoir à des clients remplis de colère de écrire tout ce qu'ils ressentaient, ça sort, et de lire à haute voix après, de marcher en frappant un objet avec, tu sais, comment donner un coup, tu sais, sur un ballon en marchant, c'est faire, on fait évacuer, on la sort, on la transmute, on la transcende dans un feu créateur. C'est ça que c'est la colère, c'est un feu
créateur. Donc, c'est pas à diriger sur quelqu'un, c'est à transmuter à l'intérieur de nous et à propulser. En alchimie, on appelle ça l'œuvre au rouge. On sort et on avance. L'œuvre au noir, c'est on œuvre dans nos blessures. Et l'œuvre au rouge, on se lève debout et on manifeste qui nous sommes réellement. C'est de même que ça marche. Alors, même si je suis en colère, je choisis quand même d'autres versions de réalité et je suis extrêmement confiante dans ce grand passage que nous sommes en train de faire ensemble et de co-créer ensemble. Je suis vraiment remplie de foi que c'est parfait et souhaitable. Ensuite, ça va être à nous de savoir et de créer comment on va le faire. Oui, Guylaine, dans l'auto, on peut crier. C'est une très bonne place pour crier dans l'auto. J'adore crier dans l'auto. Alors ça, c'est quelque chose qui est très bon, qu'on peut faire aussi. Présentement, la clé numéro un. La clé numéro un, sortir de la peur. Sortir. Je sais que c'est pas facile à gérer parce que notre cerveau reptilien et limbique, je vous en ai parlé dans deux lives, vont venir vous jouer la pièce de théâtre de la peur, de la survie de l'humain. Oui, je suis d'accord avec vous et je peux vivre ça. Ce que je vous invite, là, c'est de le conscientiser vraiment et de la mettre au point zéro quand elle arrive. Alors, même si je ressens une grande peur ou une petite peur, une moyenne peur, je commande que la charge magnétique positive, comme est-ce qu'on a la charge magnétique négative, s'installe maintenant. J'ai pas tendance à mettre ma colère au point zéro tant que ça, parce que comme je vous ai dit, c'est un feu propulseur. La peur, ça propulse nulle part ailleurs que par en bas. Donc, elle, vous pouvez la mettre au point zéro, au vraiment, totalement. Dans le fond, ce que je réalise, j'ai beaucoup réfléchi et connecté dans les deux derniers jours. Et je crois que parce que nous, les humains, nous avons la tête si dure, je crois que nous avions besoin d'aller aussi loin dans l'expérience, si vous voulez, de la non-intelligence. On va le dire comme ça. On avait besoin d'aller aussi loin dans l'expérience de la non-intelligence pour dire « c'est assez ». Parce que sinon, ben, la vie, c'est la vie, le compte de banque, c'est le compte de banque, le travail, les obligations, les enfants, puis on est un peu hypnotisé dans notre vie. Et on se rend plus compte qu'on vit dans un monde complètement déjanté. Et là, ben, c'est le temps. Là, on s'en rend compte, c'est là. On dit « in your face ». Donc, on le voit, on peut pas vraiment pas le voir. Et si on le voit pas, ben c'est correct. On peut peut-être commencer à décider de le voir. Peut-être qu'on peut décider de changer d'étage de perception de ce qui se passe là et de voir que tout ce qui se passe est pire que s'il se passait. En tout cas, j'aime mieux pas trop parler. Alors, dans le fond, nous sommes tous dans une grande, grande, grande quête de vérité, de respect et de sens. C'est des valeurs intrinsèques et profondes que nous, les humains, nous portons. Et ça, ben, présentement, c'est ça qui éveille tellement de contre-coups. Vérité, respect et sens non manifestés, non respectés, non placés. Alors, on absorbe ça, puis bon, c'est ça. Donc, le grand passage que nous vivons présentement, je l'ai déjà vécu ailleurs, dans d'autres vies. Vous l'avez probablement déjà vécu aussi ailleurs, donc on est équipé. On sait comment ça marche. Des grands passages de conscience, ça demande des êtres avertis. Et vous êtes des êtres avertis, je suis une femme avertie aussi. Et ça, ben, utilisons ça pour être capable de se positionner autrement à l'intérieur de nous. Et la priorité prioritaire présentement est de sortir de la victimite. Rien de ce qui se passe à l'extérieur n'est étranger à ce qui se passe dans nos intérieurs. Et je vous ramène encore là, dans vos intérieurs. C'est en vous que vous devez œuvrer, dans vos œuvres alchimiques, et le monde extérieur
va vraiment changer. Patricia me dit, quand tu dis mettre nos opinions au point zéro, peux-tu donner un exemple? Ben écoute, Patricia, c'est simple. Quand tu as une opinion, quelle qu'elle soit, et qu'elle te dérange, tu vas dire, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de cette opinion s'installe maintenant. Je commande de mettre mon opinion au point zéro maintenant. C'est la même recette. C'est une recette de gâteau. Et vous l'utilisez pour toutes vos situations, vos opinions, vos je me peux plus, vos peurs, etc. Et là, et ça va vous aider à sortir de la victimite. La victimite, parce que ça, la victimite, c'est notre plus grand ennemi, c'est mon pouvoir est à l'extérieur. Dès que vous vous mettez dans « je suis une victime », vous venez automatiquement de laisser votre pouvoir à ce qui est à l'extérieur. Je ne crois pas que c'est ce qu'on veut faire présentement. Je ne crois pas que c'est ce qu'on veut faire. Donc, on sort de la peur, on sort de la victimite. Je vous dirais la première chose à installer dans notre beau monde présentement est de se déconnecter et de sortir de la peur des autres, peur de nos concitoyens, peur de se croiser de trop près, peur. Moi, je le vis là à l'épicerie là, on a peur. C'est pas ça là. Non. Ce n'est pas le bon chemin. On change de chemin. On se met ensemble. On vit une expérience ensemble. Donc, nous avons l'infini pouvoir de créer d'autres lignes de temps, une autre ligne de temps. Il y a déjà, présentement, des nouvelles lignes de temps qui ont été créées sur Terre. Déjà, disons depuis quelques mois. Déjà des nouvelles lignes de temps, déjà une belle évolution dans ce qui va se passer en finalité. Donc, il faut juste continuer. Il faut juste continuer à créer. Le monde que nous voulons, il est juste l'autre côté de la porte. C'est nous, vraiment nous. C'est pour ça que j'ai créé dans son notre liberté. C'est pour ça que j'ai créé le mouvement S'élever ensemble. C'est pour réaliser qu'on n'est pas seul et que c'est à nous d'amener cette légèreté, d'amener cette joie, d'amener cet amour dans le lien avec les autres. Et si notre colère, qui est un feu sacré, peut nous aider à mieux créer ça, ben eureka, eureka, eureka. Et je vous rappelle que pour faire ce saut quantique, tout le monde ensemble, la naissance est un saut quantique. Je vais vous l'expliquer. C'est quelque chose que j'explique dans mes cours de kiné. Je pense pas que je l'ai déjà dit dans un live. Et si oui, ben, tant mieux. Je vais être un rafraîchissement. Quand l'ovule est fécondé dans la trompe de Fallope, les ovules sont fécondés dans la trompe de Fallope. Donc, l'ovaire lâche l'ovule qui descend dans la trompe pour aller se nicher dans l'utérus. Quand l'ovule descend dans la trompe, c'est là que le spermatozoïde vient le trouver, c'est là qu'il y a fécondation dans la trompe, et là, l'œuf fécondé, qui est rendu un embryon, descend, et là, l'embryon, la trompe, là, a fini comme une fleur ouverte comme ça, puis l'utérus est là, et l'embryon doit faire son premier saut quantique. L'œuf fécondé doit sauter dans le vide, et rentrer dans l'utérus. C'est le premier saut quantique que vous avez fait. C'est un saut quantique important. Nous sommes à une époque d'un prochain saut quantique et il est vraiment temps de le conscientiser. Alors, on continue. Afin de créer ce nouveau saut quantique-là, vous devez, je vous invite, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension, à devenir les maîtres de vos paroles, de vos pensées et de vos gestes. Chaque parole que vous dites sur ce qui se passe, chaque pensée que vous avez sur ce qui se passe, chaque geste que vous faites sur ce qui se passe, crée des lignes de temps et contribue à créer un futur X. Nous, ce qu'on veut, c'est le futur le meilleur. Et là, ça, c'est quelque chose que vous pouvez placer en intention. Je commande de manifester le meilleur futur pour moi et pour l'humanité. Et là, on va le placer.
Alors, que voulez-vous créer? Écrivez-le, racontez-le ou mettez-le vivant. Écrivez-le. Qu'est-ce que vous voulez de l'autre côté de cette naissance-là? Qu'est-ce que vous voulez de l'autre côté de ce saut quantique-là? Et ça, c'est des choses qu'on pourra venir partager dans les groupes privés quand je vais faire mes invitations pour vraiment venir faire de la co-création quantique de groupes extrêmement puissante. Parce que ce qui arrive présentement, c'est qu'on vit en boucle, on vit en cycle. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et là, on a l'opportunité de sortir de ce cycle de répétition et d'asservissement et de limitation, je vous dirais, et de non-réalisation de notre puissance et de notre grandeur. Dans un live, il y a presque 2 ans, j'avais partagé aux gens que les anges que vous priez, c'est vous sur d'autres plans. Connectez-vous à vous sur tous les meilleurs plans et unissez-vous à vous pour être la meilleure version de vous-même, pour sortir de ces cycles-là et de ces boucles-là. Dans le fond, il est temps de sortir de la traque. C'est une traque, c'est comme un creux comme ça. On n'est plus dans la traque. T'sais, on essaye de sortir notre auto, pouf, elle retombe dans la craque. Là, il est temps de sortir de la craque, de la limitation et du petit qui est sous. Il est temps. Il est temps de sortir de ça et de rentrer dans ce que moi j'appelle la craque. Donc, on sort de la craque pour rentrer dans la craque. Et je vous en avais déjà parlé de la craque. Ça, c'est la polarité négative, la polarité positive. Et entre les deux, dans le point zéro, c'est là la craque multidimensionnelle. Donc, on se met au point zéro le plus souvent possible. On accueille et on embrasse que nous sommes des humains remplis d'émotions, que nous sommes des humains remplis de pulsions. Et on embrasse tout ça. On se bloque pas. On embrasse ce que nous sommes et ensuite, on choisit de mettre au point zéro. On choisit de se mettre ailleurs. Oui, alors je vais juste aller voir. OK, il y a des gens qui est parfait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui posait des questions et là, il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, notre engagement, présentement, est demandé. C'est le temps de s'engager. C'est le temps d'avoir un engagement lucide sur la réelle réalité qui se passe dans la pièce de théâtre. La lucidité est une grande, grande clé de libération. Voir ce qui se passe avec lucidité n'est pas nécessairement si opposé avec vigueur, mais c'est de voir clairement. Je veux dire, c'est la plus grande importance, c'est de voir clairement ce qui est là, c'est même pas négociable. Donc, et là, nous allons pouvoir changer de fréquence. Changer de fréquence, quand on va voir, on va dire, OK, j'accueille, ça parle de quoi à l'intérieur de moi, et je passe, je mets ça au point zéro, et je me projette dans la meilleure version de moi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été sur le groupe de Dansons notre liberté. Il y a une chanson qui a été écoutée à répétition. C'est la chanson « Jérusalem », qui est une chanson qui a été composée par un DJ en Afrique du Sud. Cette chanson-là a fait le tour du monde. On a fait des chorégraphies, des prêtres, des religieuses, des infirmières, des gens, des jeunes, des vieux. Il y a eu, j'en ai vu moi, des dizaines et des dizaines de chorégraphies de Jérusalem, qui est devenue la chanson de l'été. Et moi, quand j'étais en vacances cet été, au mois de juillet, à un moment donné, je suis allée voir qu'est-ce que disaient les paroles de Jérusalem en français, parce que c'est chanté en africain. Donc, on ne sait pas trop hein, qu'est-ce que ça dit, mais en tout cas, moi, c'est une langue que je ne connaissais pas. Donc, je savais que ça avait une vibration vraiment « wow », cette chanson-là. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le globe. Donc, « wow », ça portait quelque chose. Et je me suis dit, de quoi ça parle? Et je vais vous lire les paroles traduites de Jérusalem en français. Quand la chanson « Jérusalem » joue, ce qu'on dit, c'est « Jérusalem est ma maison. Protège-moi. Marche avec moi. Ne me laisse pas ici. Je n'ai pas ma place ici. Mon royaume n'est pas ici. Protège-moi. Marche avec moi. Je n'ai pas ma place ici. Mon royaume n'est pas ici. Protège-moi. Marche avec moi.
protège-moi, 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 ne me laisse pas ici. Et moi, quand j'ai lu ça cet été, dans ma tête, ça a fait la nouvelle Jérusalem. Je me suis dit, ce qui est en train de s'installer sur terre présentement est la nouvelle Jérusalem. Et je sors complètement de tout schéma religieux. Je vais dans la symbolique de ce que ça veut dire, la nouvelle Jérusalem. J'ai beaucoup étudié les religions, toutes les grandes religions, pour être capable de monter mon cours âme, entre autres. Et c'est pour moi un grand intérêt spontané. Donc, pour moi, la nouvelle Jérusalem était quelque chose de connu comme étant l'avènement du nouveau monde. C'est ça la traduction de la nouvelle Jérusalem, c'est l'avènement du nouveau monde. Et je me suis dit, waouh, la chanson de cet été, Jérusalemma, Jérusalemma, écrite par un gars d'Afrique du Sud, un DJ d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Jérusalemma sonne plus loin, là, Jérusalem d'Afrique du Sud. Et qui a fait le tour du monde et que les gens ont dansé partout, 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 tout l'été. Et je me suis dit, c'est ce qui est en train de s'installer sur Terre présentement. Et cette chanson-là est porteuse de cette vibration-là, de sortir de notre réalité limitée. Quand dans la chanson, ça dit, ici, ce n'est pas chez moi, je n'ai pas ma place ici. On n'a pas de place dans ce monde aussi limité, dans ce monde aussi contrôlé, dans ce monde aussi... On n'a pas de place. Alors, s'il faut le lire à un autre niveau, marche avec moi, c'est marchons tous ensemble. Ici n'est pas notre place et nous marchons vers notre prochain lieu. Donc, voyons, on repart dans le grand passage. On est encore dans ça, dans le grand passage. Donc, sortir de cette réalité limitée. Sortir de la peur, sortir de la victime. Quand j'étudie avec Dolores Cannon en hypnose de reconnexion, de régression, déjà, elle nous parlait de la nouvelle Terre. On peut appeler ça comme ça. On parle de la cinquième dimension. On peut appeler ça comme ça. On peut parler de la nouvelle Jérusalem. C'est juste des mots. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a un niveau de conscience qui est en train de s'installer par la force des choses et que, ben là, je vous invite à vraiment en conscience participer à ce saut quantique. Plus nous serons nombreux, plus ça va se faire. C'est comme ça que ça marche sur Terre. Plus on est nombreux, plus ça se fait. Quand je vous ai invité à danser notre liberté, je vous ai dit ça prend la racine carrée de 1% de la population pour changer la donne. Je l'ai calculé. 8775 personnes. Là, présentement, sur Dansons notre liberté, on est 2600 quelque chose. On approche du 2700. Il nous manque 5000 personnes. Passez le mot. Passez le mot. Venez danser avec nous sur Dansons notre liberté. Et créons ce saut quantique-là mondial pour faire c'est assez, merci beaucoup. Je retourne à la maison. Donc, dansons. J'ai tiré une carte, je crois que c'est à mon dernier live ou l'autre d'avant. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce grand passage-là? Happy, happy est la carte que j'avais pigée. Donc, soyez heureux, soyons heureux. Dansons, soyons heureux et ne nous laissons pas faire, s'il vous plaît. Qui ne dit mot consent. C'est une loi humaine. Quand on ne dit mot, on consent. Les lois humaines doivent être respectées et les lois spirituelles doivent être respectées. Pas juste les lois spirituelles. Les deux étages doivent être respectés. Être un être spirituel en évolution n'est pas tout accepter en se taisant. Ce n'est pas faire la guerre. Non, non, non. Rappelez-vous Gandhi et sa marche du sel. Ils ont tous marché comme un seul homme pendant des jours et des jours sans violence, sans cri, même en silence. Et le gouvernement anglais a dû plier. Donc, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Alors, dansons sur Jérusalemma. Dansons et mettons notre incarnation en action réelle dans la matière. On n'est pas ici pour réagir, on est ici pour agir. La Terre monte ses fréquences, tellement de grandes montées de fréquences présentement dans l'amplitude de Schumann avec plein de symptômes. Les gens me partagent, je mange beaucoup plus qu'avant. Oui,
Ça peut être un des symptômes, manger plus pour s'alourdir, mais, et c'est pas mauvais, mais c'est que notre instinct fait « wow, je deviens un petit peu moins lourd, il y a des fréquences qui me font monter ». Et en étant un petit peu moins lourd, ben j'ai tendance à vouloir manger. Les nuits peuvent être étranges. J'ai eu beaucoup de commentaires de grandes vibrations. Les gens se couchent le soir et tout leur corps vibre comme ça. Ou la même chose pendant la nuit, ou au réveil le matin, des rêves, des backwashes d'inconscients qui se font présentement, énormément de rêves intenses. Donc, voyez-vous, donc on nettoie ces champs énergétiques à tous les jours, avec des bains d'eau salée, des ancrages à la terre, mettre le point zéro, boire beaucoup d'eau et charger votre eau. Chargez votre eau de ce que vous voulez que votre être vibre. L'eau est le plus grand conducteur de conscience qui existe sur Terre. Je vous parlerai bientôt des travaux d'un professeur français, pas Masuro Emoto, là, qui a fait les cristaux, un autre qui a découvert à quel point la mémoire de l'eau est la clé de notre monde quantique. Donc, chargez votre eau, ça va faire vraiment, vraiment la différence. Ayez plein de tolérance pour tout le monde qui ne pense pas comme vous. La tolérance et l'amour inconditionnel sont notre grand test de passage. Soyez tolérants, soyez remplis d'amour. Je sais que ça peut être en contradiction avec quand je vous disais que j'étais en colère, mais je n'étais pas en colère contre une personne en particulier. J'étais en colère je suis en colère encore face à ces passages difficiles-là qui nous confrontent toujours un peu plus. Mais je me ramène amour, tolérance, joie, paix et la foi. On crée par la foi visualisée. Croyez que tout ça se passe de la façon la plus saine, la plus cohérente, la plus fluide possible. Et nous tous ensemble, on va faire la différence. Et on va faire ce saut. Et voilà, comme des grands champions. Et on sera très heureux de danser ensemble de l'autre côté des choses. Je vous rappelle que c'est vos pensées, les maîtres de l'univers. Les mots qui sortent de votre bouche sont excessivement puissants. Votre opinion sur les choses scelle les choses. C'est là qu'il faut se ramener. Très important. Parce que dans les débats qui font rage présentement, on ne fait rien de bon. C'est de l'information. Allez la chercher. L'information est bonne. Après ça, c'est ce qu'on en fait qui va faire la différence. Je vais juste venir voir vos commentaires un peu. Karine me demande comment faire pour charger l'eau. Ben, ma belle Karine, tu prends tes mains, tu mets tes mains autour et tu dis « Je demande que cette eau soit chargée d'amour, de la plus haute vibration d'amour. Je demande que cette eau soit remplie de paix. Je commande que cette eau monte tellement son taux vibratoire que quand je vais la boire, elle va remonter le taux vibratoire de mon corps. C'est comme ça que ça se passe. » Donc, j'espère que ça répond à... Bon, justement, mon chat s'en vient boire dans mon verre d'eau. Donc, je vais tasser mon verre d'eau. Ma chatte est la reine de boire ailleurs que dans son bol. Je crois que si vous avez des chats, vous me comprenez. Ah oui, toi, Yasmine qui dit « sentiment que je ne peux pas expliquer dans mes jambes, prête à faire le saut ». Oui, moi, c'est ça, Yasmine, que je chantais, c'est Yasmine, cette semaine, quand j'étais dans le feu. C'est comme, il y a quelque chose qui me propulsait par en haut et ça faisait vraiment, vraiment la différence. Je vais juste descendre un peu, voir. Pascal dit « oui, je rêve très intensément toutes les nuits, sans exception, depuis 3 semaines ». Oui, moi aussi, c'est le festival du rêve, un peu étrange. Étrange et très riche. Acte de foi sans comprendre, oui Denise, acte de foi sans comprendre, c'est ça la foi. La foi, c'est on n'a pas de preuves, mais on y voit pareil. Alors, venez donc me dire si vous avez des questions, des témoignages, des commentaires en terminant aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, Julie, oui. Alors, créons ensemble le groupe qui va changer le monde. On sera un des
plusieurs groupes qui changent le monde. Hein? Une dame que j'aimais vraiment beaucoup, qui avait un groupe Facebook vraiment tripatif, elle a réussi à accumuler 17 000 personnes en 3 semaines. Facebook l'a fermé. Elle comprend pas pourquoi. Il se passe des choses présentement dans l'énergie. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à venir me laisser vos coordonnées, qu'on puisse jaser ensemble librement, comme on veut. Je vois s'il y a d'autres choses qui se passent. J'ai des montées d'amour intense, René Demers, moi aussi. Vous aussi, peut-être que vous en avez des montées d'amour intense. Moi, j'ai des crises d'amour. C'est, je me promène en auto, je suis assise ici, puis j'ai des crises d'amour, vraiment, vraiment. Chantal me dit, j'ai eu des palpitations, oui. Le corps, il va réagir, là. Cécile me dit, moi, quand je me réveille, j'ai de la misère d'être sur la terre. Oui, ancrez-vous. Je l'enseigne depuis longtemps, l'ancrage qui, moi, m'a fait le plus de bien, debout, les mains par en bas, comme ça, là, pouf, comme ça, le long du bras, les bras le long du corps, les mains pointées. Je demande à Gaïa, la mère terre, de venir soutenir et dynamiser mon corps. Je demande à Gaïa, la mère terre, de venir soutenir et dynamiser mon corps. Ça marche beaucoup mieux, l'énergie de Gaïa qui monte, que vous qui essayez d'aller vous connecter sur elle. C'est pas de même que ça marche. C'est beaucoup des enseignements qu'on a eus étaient inversés, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh! Montez. Alors, voilà. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Moi, je vous ai vraiment tout pas mal dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans le fond, je voulais vous faire un rappel, un partage, une invitation. Je voulais vous dire que la colère était saine, que vous pouvez vous en servir pour vous propulser et vous rappeler que nous sommes dans un accouchement. Que nous sommes dans un grand passage. Hein, vous savez que passage, on peut le défaire en passage. Nous sommes dans un passage. Les grands mouvements, les grands sages ont prédit ce passage-là depuis des millénaires. Nous y sommes. Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés pour certaines personnes par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à tout ça. Oui, c'est sûr que pour certains, ça peut être éprouvant. Donc, en voyant beaucoup de pensées d'allègement pour tous ces gens-là pour que ça devienne le plus facile possible. Donc, merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Plein d'amour pour vous tous, plein de joie de la co-création. C'est vraiment ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de co-créer ce grand passage. Nous sommes en train d'y aller ensemble et chaque personne est importante. Chacun est important. Ici, ce qui est important, c'est le nombre. Plus nous serons nombreux, plus ça va se faire facilement. C'est vraiment la clé. Oui, Émilie, retrouver notre souveraineté dans la paix, la joie et l'amour. Nous sommes de grands êtres infiniment puissants qui ont perdu la notion ou la certitude qu'ils l'étaient. Très souvent, les gens le sentent, le pressentent, ne sont pas sûrs. Là, c'est le temps de faire « Ouais, je me lève ». Je me lève et je joue ma fréquence la plus puissamment possible afin de faire ce grand saut quantique qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Grande, grande joie de partager avec vous comme toujours. Vous me permettez de faire de grandes synthèses. Et c'est dans les synthèses, que vous allez dire, mon Dieu, Louisanne est revirée full religieuse. Non. C'est juste des mots hein, qui veulent dire, qui ont un certain sens. Et c'est ça, vous me permettez de faire des synthèses qui me permettent à moi aussi de continuer d'évoluer encore plus. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Je nous aime. Je nous aime dans ce que nous sommes en train de co-créer, tout le monde ensemble. Et ça sera un grand, grand plaisir de vous retrouver
dans un prochain live. Alors, sinon, ben, ceux qui sont inscrits à Intro à la kiné, à Intro à la kiné toute la journée. Oui, c'est ça, exactement, Denise. On est dans une fin de cycle même de 52 000 ans. Deux grands 26 000 ans qui sont en train de se terminer. Une boucle qui est en train de se fermer. Alors, belle soirée tout le monde. À bientôt. On se retrouve, hein, puis on continue. Saut quantique. Saut quantique. 100% responsable. On crée. Nous sommes de puissants créateurs. Alors, 1, 2, 3, go. C'est parti. On crée. Bye. Bye tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bye.